Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, la place du village. Bien sûr, comme chaque vendredi aux alentours de 19h, on vous fait un point sur vos différents événements dans les pays de Savoie avec l'approche de l'automne. Hein. Déjà, le temps a un petit peu changé au niveau des températures aujourd'hui, actuellement. Il fait tout juste 13 degrés ici du côté de Seynod en Haute-Savoie. On va donc tout de suite retrouver votre agenda. C'est parti pour 20 minutes de parler de votre région, de vos événements dans les villes et villages. Allez, on commence tout de suite avec vos différents événements que vous nous avez transmis via notre messagerie Facebook. N'hésitez pas si vous avez des événements à nous communiquer donc pour les prochains week-ends. On commence tout de suite cet événement avec donc du côté, cette fois-ci, on va se rendre du côté de Thonon-les-Bains. C'est en Haute-Savoie pour cet événement à ne pas manquer. C'est bien sûr la foire de la crête. C'était la 542e édition pluvieuse, malheureusement, du côté de Thonon. Ça a lieu jusqu'à dimanche, avec notamment la fête foraine qui aura lieu du côté de cette foire de Crète. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour cette très très grande foire. Je vous rappelle, c'est la 542e édition donc pour cette foire de Crète. On continue avec cette fois-ci... Voilà, on continue avec la fête du pays du Laudon. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, cette fois-ci du côté de Saint-Joriot. C'est donc un événement donc à ne surtout pas louper si vous voulez vous promener du côté de Saint-Joriot. Ça sera ce week-end avec cette fête et la vitrine de tout le savoir-faire des 7 communes du pays du Laudon, comice agricole, produit du terroir. C'est également la journée des associations qui viennent présenter leur activité et se faire connaître auprès du public. Tout au long de la journée, les animations et initiations seront proposé avec notamment du tir à l'arc aussi, mini ferme, batterie, fanfare, découverte de la forêt et des abeilles, donc démonstration de chiens de troupeau. Donc jeu en bois, manège, vous pourrez déguster les produits locaux, boudin, bidouillon, fromage et un repas savoyard sera notamment proposé donc à midi pour une association de Saint-Jorion. Donc en plus, il y aura aussi une buvette à la disposition du public. On continue avec cette fois-ci la journée des sports de glisse. Le samedi 7 septembre, la patinoire d'Annecy et les clubs d'Annecy Hockey et du GSA organisent une journée de la glisse. La matinée sera ponctuée de séances, de démonstrations et d'essais sur hockey sur glace, du patinage artistique et de la danse sur glace. C'est l'occasion donc pour votre enfant peut-être de venir tester cette journée, ces trois disciplines entre 10h et 13h. De plus, pour ceux qui préfèrent une partie de loisirs, un jardin de glace sera proposé aux enfants de moins de 8 ans et débutants de 16h à 17h30 durant donc la séance publique. Allez, on continue avec d'autres événements à ne pas manquer avec cette fois-ci la fête du village à Gilly-sur-Isère ce samedi 7 septembre sur la place des fêtes avec un stand d'animation enfants dès 18h30, musique de Gilly, danse Zumba et repas sur place avec aussi un bal DJ et un feu d'artifice. Donc une grande journée à ne pas manquer demain du côté de Gilly-sur-Isère. On continue avec cette fois-ci le petit bal à Conflans, c'est du côté d'Albertville en Savoie. Ça sera ce samedi 7 septembre de 19h à 22h avec donc une grande danse durant tout l'été. Hein. Ils étaient du côté donc dans la grande place des Conflans. Donc c'est demain, ce samedi 7 septembre, donc de 19h jusqu'à 22h. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place. Allez, d'autres événements avec cette fois-ci, donc avec le rassemblement de véhicules anciens. Ça sera dimanche, cette fois-ci, 8 septembre à Artemare, dans l'Ain, de 9h à 18h. Ça sera au stade de gymnase rue des Glières. Donc, pourquoi pas, avec 100 ans de Citroën, avec animation artisanat et locaux, bourse aux pièces et miniatures buvettes et restauration sur place. Voilà donc pour passer un très bon week-end. N'hésitez pas à vous rendre du côté de Artemare. D'autres événements aussi avec ce samedi 7 septembre avec le rassemblement moto ancienne à Salange cette fois-ci à partir de 10h. C'est organisé par Alpes Batterie Salange de 1918 avenue André Laspar. Donc pour pouvoir en profiter, il y aura animation musicale, banc de puissance pour moto. Donc c'est ce samedi pour les passionnés de moto et en plus c'est la deuxième édition donc pour les amateurs de moto.
D'autres événements à ne pas manquer avec cette fois-ci du côté donc de Culoz, qui fête ses 50 ans ce samedi 7 septembre toute la journée avec donc les Culoz Basket de 1969 à aujourd'hui 2019. Donc buvette, frites, barbecue géant. Il y aura aussi un feu d'artifice à partir de 22h30, les jeux enfants et puis n'oubliez pas aussi juste avant un match à partir de 20h avec la ligue féminine Lyon Aiguel contre Chardonnay. Donc un rendez-vous à ne pas manquer. Donc du côté de Culoz, c'est dans le département de l'Ain. On continue avec d'autres événements encore dans les Pays de Savoie. On revient avec cette fois-ci la journée de base de loisirs nautiques des Marquisats à Annecy. Ça sera demain samedi de 9h à 17h. Donc c'est un bon endroit pour profiter si vous aimez ça. Découvrez donc les clubs associatifs et essayez gratuitement les activités de la base nautique d'Annecy. Donc ce sera du côté donc des Marquisats. C'est donc demain, donc ce samedi 7 septembre. D'autres événements à ne pas manquer cette fois-ci avec le rassemblement Moto 2019. C'est aussi un très beau événement. Ça sera dimanche du côté de Aberpoche. Aberpoche, donc, qui vous accueille justement pour cet événement. Pour les passionnés de moto, ça sera de 9h jusqu'à 18h. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur place pour profiter, de ce rassemblement de moto. Donc, beaucoup de rassemblements durant ce week-end dans les Pays de Savoie. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. D'autres événements avec cette fois-ci la fête du bois et de l'artisanat, c'est plutôt assez classique. Du côté du Faucigny, ça sera donc ce dimanche 8 septembre. Donc c'est un événement à ne pas manquer. Donc pour ceux qui aiment justement le bois, bah là vous serez gâtés avec différentes expositions à ne pas manquer. Donc du côté du Faucigny, ça sera ce dimanche 8 septembre. Donc un événement à ne surtout pas manquer. D'autres événements avec cette fois-ci la fête des sports, cette fois-ci avec du côté de Ambilly. Ça sera donc ce dimanche, ce samedi 7 septembre. Donc avec les différents sports seront exposés durant cette journée. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place. Si vous aimez le sport, bah là vous serez servi. Toutes les disciplines seront réunies sur place. D'autres événements avec le forum des associations, cette fois-ci, ça sera du côté de Anty-sur-Léman, ça sera ce samedi 7 septembre de 9h à 13h à l'espace du lac de 9h à 13h, donc un rendez-vous avec la buvette et petit déjeuner sur place. Donc n'hésitez pas, vous voulez rencontrer les associations de Anty-sur-Léman, et ben c'est demain samedi, donc du côté de Anty-sur-Léman de 9h à 13h. D'autres événements à ne pas manquer donc dans les Pays de Savoie avec la journée tous en roller. Ça sera dimanche 8 septembre du côté de Cluses cette fois-ci. Ça sera de 10h à 18h. Donc pour ceux qui aiment le roller, n'hésitez pas à vous rendre donc du côté de Cluses. Ça sera pas très loin de la mairie pour pourquoi pas profiter d'un très bon moment en roller. Et donc n'hésitez pas à vous rendre sur place. Donc Cluses, c'est pour la journée du roller. D'autres événements encore avec le troc vert et savoir-faire ce samedi 7 septembre à Pras-sur-Arly, de 10h30 à 16h30, donc à demi-quartier camping, donc fête du don et artisanat local. Donc c'est un très gros événement, ça sera à partir de 10h30 jusqu'à 16h30. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour profiter de cet événement donc du côté de Pras-sur-Arly de 10h30 à 16h30. Donc ça sera demain samedi. Allez, on continue avec cette fois-ci de l'escrime. Découvrez l'escrime, pourquoi pas. Ça sera jusqu'au 27 septembre à Annecy à partir de 5 ans. Donc n'hésitez pas, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur site internet escrime-annecy.com. Les portes ouvertes sont gratuites. Pour découvrir cette discipline sportive donc de l'escrime, ça sera du côté d'Annecy. Très gros événement aussi du côté de Lancy-le-Vienne ce dimanche 8 septembre pour la 34e édition. Ce sera du côté d'Annecy. L'AVOC organise donc cette 34e édition de Lancy-le-Vienne Tour du lac d'Annecy avec le soutien de la ville d'Annecy-le-Vieux. Le conseil général et de nombreux partenaires qui seront aussi rendez-vous. Il propose donc une course résolument originale, courir et pédaler à deux sur un parcours de 46 km émaillé de vues imprenables sur les eaux du lac d'Annecy et de ses
montagnes et alentours, se relayer sans jamais s'arrêter. Donc on court, on pédale pour franchir la ligne d'arrivée ensemble. Ce défi sportif unique dans la région se caractérise aussi par les valeurs de partage et d'entraide qui font des fondamentaux. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera Lancy-le-Vienne, c'est ce dimanche 8 septembre. Et bien justement, regardez leur bande-annonce réalisée donc pour cette édition 2019. Voilà pour donc cette édition de Lancy-le-Vienne qui se déroulera donc durant ce week-end. Ça sera donc du côté d'Anne-Sylvieux pour la 34e édition. Donc c'est un événement à ne surtout pas manquer. D'autres événements à ne pas manquer dans les Pays de Savoie avec cette fois-ci cet événement assez plutôt sympa. C'est la soirée spéciale Côte de Bœuf Party. Ça sera du côté du restaurant pizzeria Montebianco du côté de Sillingy. Donc c'est un événement avec déjeuner seul ou à deux, une pièce de 1200 grammes, pardon, sauce donc de morille, pardon, et crêpes au porc, donc uniquement sur réservation. Donc n'hésitez pas à vous rendre donc du côté pour cette journée plutôt sympa, la Côte de Bœuf Party au Montebianco, c'est à Sillingy. Nous avons réalisé un reportage il y a quelques mois de cela. On vous conseille absolument d'aller voir car ils sont très très sympas. Allez, on continue avec nos événements à ne pas manquer, cette fois-ci avec le petit bal perdu du côté d'Annecy. Ça sera demain, samedi 7 septembre, avec Salsa Sin Frontera de 18h à 22h à Annecy, au Parc de l'Europe. Ça sera donc demain soir, en espérant que le beau temps soit au rendez-vous, car ça a lieu en extérieur, au Jardin de l'Europe. Allez, on continue, avec, on parle d'associations, avec les associations font leur entrée du côté de Chambéry ce samedi 7 septembre avec donc pour leur forum de 14h à 19h. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour connaître les associations savoyardes, notamment celle de Chambéry. D'autres événements avec du côté cette fois-ci de Aix-les-Bains avec le 19e Aix-Auto-Légende sur l'esplanade du lac. Les 6, 7 et 8 septembre, venez voir des plus belles voitures, les anciennes, et donc pour pourquoi pas prendre des très belles photos donc durant cette édition de ce 19e pardon Aix-Auto-Légende. Donc c'est à Aix-les-Bains et ça a lieu durant ce week-end. On revient du côté de Rumilly, avec Rumilly qui fait la fête foraine de Rumilly, c'est du 6 au 15 septembre prochain. C'est un rendez-vous, donc ça ne pas manquer pour faire la fête pour les petits et grands. Donc ça sera du côté donc de Rumilly Centre pour cette grande fête foraine donc de cette édition 2019, avec plus de 9 jours de fête pour vos petits et grands. On continue avec d'autres événements avec le, du côté des portes ouvertes de la ferme de Saint-Martin-Bellevue. Ce sera donc ce dimanche 8 septembre, pardon, à partir de 9h. Donc venez découvrir les fermes donc de Saint-Martin-Bellevue, donc avec les conseils et tout. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est une très très belle journée qui vous attend pour ces portes ouvertes de la ferme. Venez voir les produits du terroir et des traditions. C'est donc ce dimanche 8 septembre à partir de 9h. Et puis on va terminer par ces gros événements, ça je pense que vous serez nombreux à nous suivre aussi sur notre page Facebook. On vous propose quand même de venir nous rejoindre demain soir du côté de Albertville avec la place du village qui fait sa fête. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de fête, et ben là on vous la propose, ça sera du côté d'Albertville. Donc venez retrouver Jean-Noël de Paris, ses filles de Paris en chair et en os. Donc ce samedi à Albertville à la salle de la Pierre du Roi dès 19h, donc la fête commencera.
Bras avec l'association La 8 et le Soir Rugby donc d'Albertville qui organise cette soirée où nous pourrons guincher avec le double champion du monde de l'accordéon Phil Bouvier et son ancien musicien avec Virginie et Cyril, le duo des montagnes. Nous apprécierons aussi tous les adeptes de la scène ouverte aux artistes avec Pascal River, clavier et accordéon, et son trompettiste formant le cocktail des montagnes. Mathieu Fournier sera aussi présent, Gaëtan et son accordéon, une délégation aussi des accordéonistes du Mont Blanc seront donc présents, et des surprises comme d'habitude que nous avons préparées. Donc n'hésitez pas à réserver encore ou même sur place, hein, vous pouvez vous rendre aussi sur place demain soir, ou sinon réservation au 06 19 78 20 90. Cette soirée sera donc retransmise sur notre page Facebook avec un petit dispositif d'une petite régie mobile. Donc ce sera justement l'occasion de partager cette soirée avec pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre demain soir. Voilà, c'est la fin de cet agenda, de cette édition, de cette journée. On va vous souhaiter un très bon week-end, bien entendu. Ben, n'oubliez pas le rendez-vous demain soir, soit à Albertville, soit sur notre page Facebook pour cette grande soirée. N'hésitez pas aussi à envoyer vos événements dans les pays de Savoie sur notre messagerie Facebook pour nous communiquer donc vos événements avec une affiche si vous avez. N'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Et puis bien entendu, on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h pour un prochain agenda des pays de Savoie. J'ai pris l'habitude depuis quelques temps, et puis aussi retrouver cet agenda sur notre chaîne YouTube disponible dès demain. Voilà, on va se quitter avec une vidéo qui a beaucoup marché. On la connaît, on la connaît très bien. Elle est de Dinzy Sinclair, la Mimi Pouillac. Et ben voilà, on va la retrouver avec sa chanson qu'elle a chantée il y a quelques mois de cela, Tamalou. Elle a fait un carton avec plus de 1 600 000 vues. Et ben on va la retrouver pour terminer cette édition de cet agenda de ce vendredi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas demain soir donc pour la grande soirée de la place du village qui fera la fête donc depuis Albertville. Soit n'hésitez pas à venir sur place pour partager cette soirée. Et puis sinon à nous suivre sur notre page Facebook pour suivre cette soirée que sera retransmise. Voilà, merci à vous tous. On se quitte avec Mimi Pouillac et à très bientôt et très bon week-end à vous tous et à vendredi prochain. On vous offre les tamalous par Mimi Pouillac. Tamalou, tamalou, à l'épaule, c'est pas drôle du tout. Tamalou, tamalou, j'ai aussi des douleurs dans le cou. Ne me parle pas de ma colonne, des vertèbres et du mal qu'elle me donne. Tamalou, tamalou, c'est le refrain des pépères Marilou. Notre santé un peu plus chaque jour se dégrade, c'est la vie, on y voit bien. Les années passent et pèsent un peu plus lourd, pourtant la vie est jolie, comme aujourd'hui avec Monsieur de Paris. Voilà pourquoi, en toutes occasions, on pose cette question. Tamalou, tamalou, j'ai encore un peu mal à mon genou, et c'est vrai. Le scanner n'est pas clair, la douleur viendrait de mes lombaires. Le docteur, très surpris, ça l'épate. Quatre stages, on tienne sur nos pattes. Tamalou, tenez le coup. Incroyable, vous êtes encore debout. Quentin. On vous offre les tamalous par Mimi Pouillac. Tamalou. Tamalou, à l'épaule, c'est pas drôle du tout. Tamalou, tamalou, j'ai aussi des douleurs dans le cou. Ne me parle pas de ma colonne, des vertèbres et du mal qu'elle me donne. Tamalou, tamalou, c'est le refrain des pépères Marilou. Notre santé un peu plus chaque jour se dégrade, c'est la vie, on y voit bien. Les années passent et pèsent un peu plus lourd, pourtant la vie est jolie, comme aujourd'hui avec Monsieur de Paris. Voilà pourquoi, en toutes occasions, on pose cette question. Tamalou, tamalou, j'ai encore un peu mal à mon genou, et c'est vrai. Le scanner
n'est pas clair, la douleur viendrait de mes lombaires. Le docteur, très surpris, ça l'épate, qu'à cet âge, on tienne sur nos pattes. Tamalou, tenez le coup, incroyable, vous êtes encore debout. Quand on rencontre quelqu'un de l'amical dans une forme olympique, on se demande si cela est normal, on voudrait bien qu'il s'explique. En attendant son bilan provisoire, on aimerait bien savoir. Tamalou, c'est le foie qui en a pris un coup. Tamalou, et l'estomac ne va plus du tout. Les copains ont tous la même adresse pour te foutre des piqûres plein les fesses. Tamalou, le petit bout est de plus en plus mou, on s'en fout. Tamalou, c'est le refrain de mes mères, Marie-Lou. Merci, bravo. Et avec ça, derrière, un petit coup de racabille, l'alcool de Mimi Poyac. Merci Mimi, bravo, en tout cas à vous. Merci beaucoup, c'est joli comme tout.